Nous sommes dans le Jura pour la troisième épreuve du championnat de France d'enduro. Nous sommes à Moiran en montagne, dans un panorama absolument magnifique. Malheureusement, les tout meilleurs sont absents, que ce soit Nambotin blessé au genou, René blessé à l'épaule ou encore Bellino blessé au poignet. En tout cas, il va y avoir de belles bagarres dans toutes les catégories, à commencer par les juniors. On revit cette première journée ensemble. Chez les juniors, énorme bagarre malgré l'absence de Théo Bazerque. Le suspense nous a tenus en haleine jusqu'à la dernière spéciale. Mal parti sur SP1, Jean-Baptiste Nicolo s'est immédiatement repris pour pointer deuxième à mi-journée. Malheureusement, la SP6 sur le deuxième tour lui coûte cher avec un 8e chrono. Et avec un 11e temps sur SP9, il dégringole à la 5e position de la catégorie junior pour cette première journée. Juste devant, au pied du podium, on retrouve Mika Barnes. Journée constante, sauf une 12e place sur SP3. Le franco-finlandais a fini sur un 3e tour correct où il s'offre une première place. Mais ce ne sera pas suffisant pour monter sur le podium. On arrive sur le trio de tête infernal. Quentin Delay-Demolde pour commencer. Le pilote TM Racing a mis un peu de temps à se réveiller. Mais une fois la machine en route, il est revenu au contact du leader. C'était alors Jérémy Carpentier. Le pilote EC2M menait la danse depuis la première spéciale, mais a cassé son sélecteur dans le troisième tour. Il a vu le retour de Delay-Demolde, mais il sauve sa deuxième place. Car un autre pilote est venu perturber la hiérarchie. Sur la 125 de l'équipe de France Armée de Terre, David Abgral a surpris tout le monde en sortant un excellent chrono sur SP8. La messe était dite. Abgral s'offre son premier succès de la saison. Sur la fin, c'était vraiment serré, on était 4 en 4 secondes. Et j'aime bien ça et j'ai réussi à me lâcher sur la fin et c'est super. Chez les élites 1, les plaques noires, l'absence de Nambotin ouvrait la porte à des débats enflammés et on a eu notre lot de rebondissements. À mi-journée, Anthony Boissière pointé 4e, mais il perd tout dans le 3e tour avec le 5e temps dans la ligne et le 11e seulement sur la SP8. Suite à de nombreuses erreurs et chutes, l'officiel Cherco redescend au classement et termine 5e. 4e, c'est le Suisse Jonathan Rosset. Ils étaient nombreux, les Helvètes, ici, à profiter de cette manche française qui servait de support à leur championnat. Une journée en deux temps, avec une bonne entame et une seconde partie plus difficile, mais pas suffisant pour le podium. Justement, le podium, il est international ce week-end en élite 1 et il n'est pas suisse. Il vient de Suède et évolue actuellement en Youth Cup sur le mondial, qu'il domine largement. Michael Persson était l'invité surprise de Marc Bourgeois, mais il va falloir s'en méfier sur la deuxième journée, car malgré un troisième tour parfait où il prend à chaque fois le meilleur temps, il termine troisième des élites 1. Il a débuté la journée en prenant 6 secondes par son rival, mais s'est ensuite montré plus incisif jusqu'à reprendre les commandes de la catégorie en début de deuxième tour. Malheureusement, le deuxième passage dans l'extrême a raison de lui. Julien Gauthier a pris trop de retard pour aller arracher la victoire. Il termine deuxième à 16 secondes de Marc Bourgeois. Le pilote Yamaha a douté pendant cette journée, mais il a finalement fait honneur à son statut de favori et leader du championnat. Il remporte cette journée malgré un dernier tour moins soutenu. E2, là aussi l'absence de Pelat René a laissé le champ libre pour une belle bagarre pour le podium. Il est certes un peu distancé par le quatuor de tête, mais finit cette première journée sur son meilleur résultat de la saison. Swann Servageant a surtout été efficace sur l'extrême où il signe ses meilleurs résultats et surtout sa régularité a payé.
Romain Boucardet a fait le yo-yo chez les élites 2, deuxième sur le premier tour. Il se retrouve quatrième après SP5. Pas franchement d'erreur sur la journée, sauf une dernière spéciale qui coûte très très cher en temps, mais pas en classement. Il ne fait que le 16e chrono. Il était temps que la journée se finisse pour le pilote TM. On monte sur le podium avec Nicolas Deparois. Journée constante, toujours 2 ou 3e malgré une petite chute sur le deuxième passage dans l'extrême. Il termine bien la journée en prenant le meilleur temps de la dernière spéciale. L'écart avec Jérémy Tarroux était trop important. Le pilote Cherco évolue désormais sur le 4,5 après un début de saison en E3 sur la 300 de temps. Il reprend ses marques et signe 6 fois le deuxième temps derrière l'intouchable Loïc Larieux. En confiance depuis ses podiums en mondial il y a 2 semaines, l'absence du grand Pelat n'a pas tellement déconcentré Larieux. C'est une première victoire qui tombe à pic pour le pilote Cherco. J'étais vraiment motivé d'entrer à garder le rythme à Belgique, à creuser un écart et de faire comme s'il y avait Pelat. Après, ben voilà, il n'y est pas, donc derrière, c'est un poil un tour en dessous, donc du coup, j'ai pas besoin de prendre tous les risques dès le premier tour. C'est pas évident à gérer, mais j'essaie quand même de me donner à fond pour rester vraiment dans la course. On termine les élites avec les grosses cylindrées du E3 et c'est un Suisse qui termine à la 5e position, Thierry Graber. Il a fait une journée hyper régulière, toujours au 5 et 6e rang malgré un 7e temps sur SP5. Il compte toutefois près de 2 minutes de retard sur le 4e. Kevin Romer est une fois de plus au pied du podium mais il s'en rapproche. Le rythme revient pour le pilote TM Racing. La marche qu'il reste à franchir est toutefois bien occupée par le champion de France en titre, Antoine Basset. Il s'est livré une bagarre très serrée avec Jérémy Joly. Et malgré un excellent dernier tour, il n'a pas réussi à combler le retard qui le séparait de la deuxième position. Le rythme était très élevé en E3 aujourd'hui. Il était arrivé ici plus confiant depuis son top 5 en mondial. Jérémy Joly pensait sûrement qu'il serait peut-être plus facile d'aller jouer la gagne. Du début à la fin, il a toujours été le dauphin d'un Manuel Beupart en super forme. À l'aise sur l'herbe humide, il a immédiatement pris l'ascendant sur la concurrence de bon matin. Il a ensuite déroulé dans le dernier tour pour remporter son premier succès de la saison et prendre la tête du championnat. Moi je pars dans l'optique, je veux surtout pas me blesser. Parce que le lundi j'aime bien prendre mes enfants dans les bras. C'est surtout ça mon objectif. Après, j'essaye de rouler intelligemment. Là où je peux prendre un peu de risque sans risquer la chute, ben, j'essaye de le faire. Et les endroits où ils craignent un peu, j'essaye d'assurer plus. Je viens ici avec la détermination pour essayer de gagner. Et Manu a vraiment sorti une grosse journée. Franchement, il est vraiment impressionnant en ce moment. Que ce soit à Bar-sur-Seine où il a failli battre Mathias, et c'est pas rien parce qu'il est quand même en tête du championnat du monde. Aujourd'hui, il a été plus fort que moi. Et chez les filles, abandon sur chute de Juliette Berrez alors qu'elle était troisième. Blandine Dufresne a quant à elle toujours été deuxième et sur un bon rythme, mais pas suffisant pour inquiéter Ludivine Puy. La pilote bêta a une fois de plus gagné avec une journée sans faute. Rendez-vous demain pour la deuxième journée de ce championnat de France d'enduro 24 MX à Moire-en-Montagne, dans le Jura. Ciao, ciao!